Alter Radio. Alter Radio, en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur internet alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio au téléphone aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Alter Press, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur alterpress.org. Politique, économie, société, culture, sport, l'information d'Haïti, l'information de proximité avec une attention soutenue pour les mouvements sociaux. Alter Press, le réseau alternatif haïtien des formations du groupe Medi Alternatif. Appelez-nous au 28 13 10 09. Écrivez-nous à alterpress@medialternatif.org. Pour recevoir notre information en temps réel, abonnez-vous à notre page facebook.com/alterpress et suivez-nous sur twitter.com/alterpress. Alter Press, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur www.alterpress.org. Tous les jours, toutes nouvelles sous toutes sports. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Vous êtes bien à l'écoute de Alter Radio 106.1 et alterradio.org à l'heure de Alter Sport. C'est le journal des sports qui passe à 6h30, 10h30 la soirée, minuit et demi, 4h30, 5h30 le matin et puis midi et demi. Salut à vous tous, chers amis sportifs de partout. Dans titre, la qualité sportive là, sur le plan national d'écologie, funérailles nationales samedi dernier à l'église Saint-Pierre-Pétionville. Pour ex-international haïtien Serge Ducos qui quitte nous à 80 ans. Sport et assistance vers les Jeux Olympiques Paris 2024 et les Jeux Paralympiques Paris 2024. Le gouvernement bail une subvention 10 millions de gouttes à comité olympique haïtien et 6 millions de gouttes à comité national paralympique. Là. Football, entraîneur sélection féminine non, depuis 7 mois, Frédéric Gonzalez signé avec équipe féminine 2e division olympique Marseille. À l'étranger, tennis, tournoi de Bastad, de Hambo et de Gestad. Le trophée pour Nuno Gomes, Arthur Fils et Matteo Berrettini. Cyclisme, Slovène, Tadej Pogacar remporté 111e édition Tour de France. Basketball, dans match préparation pour JO Paris 2024. États-Unis bat Soudan du Sud sur le fil 101-100. Le football, Oscar Viegas, c'est nouveau sélectionneur à Bolivie, dans place brésilien Antonio Carlos Zago. MLS, San Lionel Messi, Inter Miami, bat Chicago Fire, 2-1 samedi soir pour les prendre tête classement, conférence Eslan. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti à 6h30 nan aswè, li passe tout à 10h30 aswè, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, et puis midi et demi. Alter Sport, toutes nouvelles sous toutes sports sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Développement, actualité sportive, d'abord sur le plan national, l'écologie, funérailles nationales, Serge Ducos en scène gloire du mondial 1974 en Allemagne, capitaine emblématique de l'Aigle Noir du Bel Air, fête samedi 20 juillet à Pétionville. Cérémonie qui célébrée dans l'église Saint-Pierre, est réunie en pile personnalité, dont le conseiller présidentiel Edgar Leblanc, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Carlos Hercule, le directeur général de la police nationale d'Haïti, M. Ramon Omil, le commandant-chef des forces
Forces Armées d'Haïti, le colonel Jodel Lesage, du secrétaire général de la Fédération haïtienne de football, Patrick Masséna, et en présence des trois héros de l'épopée, Tupoyo encore vivant, Guy Saint-Ville, Mario Léon et Philippe Vorbe. La ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique, Madame Nyola Lynn Saradevalis, Octavius, qui était présent tout, la cérémonie en terrain, un vibrant hommage à Serge Ducos. Dans le discours de circonstance, il était adressé à Dignité, qui était présent, à anciens coéquipiers et aux supporters, il était souligné l'importance de la vie et rempli de Serge Ducos, citant Léonard de Vinci, comme une journée bien remplie nous donne un bon sommeil, une vie bien vécue nous mène à une mort paisible. Serge Ducos, qui était atteint l'âge de 80 ans, était reconnu pour sa discipline et ses qualités physiques et techniques exceptionnelles. Joueur de la sélection nationale de 1974 et membre de l'Aigle Noir Athletic Club, était marqué l'histoire du football haïtien, non seulement par ses performances, mais tout et son dévouement après sa retraite en tant que formateur. Né le 4 février 1944 au Bel Air et décédé le 5 juillet 2024, Serge Ducos était un footballeur international haïtien qui était joué au poste de défenseur dans les décennies 1960 et 70. Que son âme repose en paix. Alter Sport, actualité sport nationale et internationale sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. L'autre point, l'actualité sportive là, sous plan national, nouvelle ministre Jeunesse Sport avec Action Civique là, Madame Nyola Lynn Saradevalis Octavius, des rencontres vendredi qui sont passées à le président du comité olympique haïtien, Dr. Hans Larsen, et l'avocat du comité national paralympique, Maître Anel Rémy, une façon pour discuter de la participation d'Haïti aux Jeux olympiques Paris 2024 du 26 juillet au 11 août et aux Jeux paralympiques du 28 août au 8 septembre, toujours à Paris. Au cours de la rencontre, ça, Mme Octavius lui était informée des derniers détails relatifs aux délégations avant de remettre un chèque de subvention de 10 millions de gourdes au président du comité olympique haïtien et un autre chèque de 6 millions de gourdes au représentant du comité national paralympique. La titulaire du MJSAC, il y a présent d'ailleurs en cérémonie ouverture JO Paris le 26 juillet. Entre-temps, Olympique Marseille officialisé l'arrivée de Frédéric Gonzalves comme nouvel entraîneur de l'équipe féminine. Ancien milieu défensif, le technicien franco-portugais, sélectionneur de l'équipe féminine haïtienne jusqu'à date, libre à la portée expertise à club fosséen pour les mener vers la D1 à Kema en première division. Au club marseillais, Frédéric Gonzalves, il va trouver trois grenadières, Tabitha Joseph, Darlina Joseph et Maudeline Moril. Reconnu comme un entraîneur discipliné et ambitieux, le technicien franco-portugais était en difficulté pour lui imposer avec les grenadiers en raison du manque de compétition et des problèmes administratifs au niveau du comité de normalisation de la Fédération haïtienne de football, une seule rencontre internationale en 7 mois. Suite à sa nomination comme entraîneur titulaire de l'équipe féminine de l'Olympique Marseille, nous obtenons la décision finale de la Fédération haïtienne de football. Alter Sport, toute nouvelle sous toute sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Pour premier match li nan dernière phase éliminatoire Coupe du monde U20 la Camisheo qui a perdu déroulé au Mexique sorti 19 juillet pour arriver 4 août. Dimanche soir dans stade Sergio Leon Chavez, Haïti perdu 4-0 face à Mexique qui c'est grand favori groupe CA. Mexicain ont ouvert le score là de la 10e minute de jeu. Du plat du pied par Yael Padilla, mi-temps fini 1-0 en faveur mexicain. Au retour des vestiaires, Jeune Grenadier encaissé 2 nouveaux goals dans 6 minutes. Joado Heriberto t'est d'abord doublé mise là à la 72e minute avant que Javier Bisakaizaku marque 3e goal là dans 78e minute. Dans fin de compte là, soit dans 90e minute plus 6, Amaury Morales fait trembler filet portier haïtien Jonah Medina une quatrième fois. Score final 4-0 pour Mexique. Dans l'autre match groupe CA, Panama bat Guatemala 3-0 suite à un doublé de Gustavo Herrera 35e 38e minute alors que Giovanni Herbert et Luis Scola dans 5e minute. Le point dans le groupe CA première journée, Panama bat Guatemala 3-0, Mexique bat Haïti 4-0 ce mercredi 24 juillet, 7h06 dans la soirée. Haïti-Panama, 10h06 dans la soirée. Guatemala face à Mexique.
Groupe A déjà joué, Costa Rica, Cuba, un goal partout, États-Unis, BIM et Jamaïque 9-0 ce lundi, 7h06, Jamaïque, Costa Rica, 10h06, Cuba face à États-Unis. Groupe B déjà joué, Salvador bat République Dominicaine 1-0, 2-2 entre Honduras et Canada, ce mardi 23 juillet, 7h06 dans le souhait, Canada, République Dominicaine, 10h06 dans le souhait, Salvador face à Honduras. Après appeler à l'issue de la phase de groupe, les deux premiers de chaque poule, ainsi que les deux meilleurs troisièmes, ils vont qualifier pour les quarts de finale qui vont dérouler les 30 et 31 juillet, puis les demi-finales le 2 août et la finale le dimanche 4 août. On a rappelé que c'est quatre demi-finalistes qui vont qualifier pour la Coupe du Monde U20 de la FIFA Chili 2025. Même si la FIFA pour cobaye date Coupe du Monde masculine U21, il y a 5 équipes qui sont déjà qualifiées pour phase finale là. C'est Chili, pays organisateur, la France, l'Italie, Nouvelle-Calédonie et Nouvelle-Zélande. Tout un univers radiophonique en podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux, magazines et rubriques d'Alter Radio. Sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcasts. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. FNE, c'est une institution de l'État. Lila, pour appuyer tout ce qu'il faut faire dans le domaine de l'éducation. Depuis 2017, FNE bat une population en jarrette et puis soulager par eux n'a permet si mon yo joine bon genre d'éducation dans espace qui respecte normes construction yo. Réparer l'école, conduire chantier l'école dans un pile département. Grâce à l'argent de la 50 ak centimes sur appel international yo, FNE financier formation et payer professeur, soulager par eux n'a payer l'école ti moun yo. Institution bay l'école yo même mobilier en tant que bureau ak moi. FNE subventionné cantine scolaire pour plusieurs dizaines ti moun l'école. FNE corré études universitaires pour jeunes, li supporter universitaires yo, li accompagner étudiants tout ça qui ici en Haïti, tout ça qui à l'étranger. Accompagnement yo aller dans niveau licence, maîtrise, jouk li rive dans doctorat. Fond là pour corriger l'éducation dans tout sens dans pays a pour garantir yon pi bon société. FNE, l'éducation a pourri, l'avenir n'a pas assuré. Selon Constitution 1987 la, souveraineté nationale la chita nan men tout citoyen ak citoyenne yo. Pourtant, nan société nou an, citoyen yo pa ramase pouvoir yo genyen pou choisi ak siveye l'état. Pendant l'état li menm gen tendance mete yo sou côté nan décision yo. Pendant ce temps, gen yon seri secteur mauvais intention kap kouri deye moun compétent ak conséquent ki nan pòs important yo. Si nou kontinye kon sa, l'État a fin tourné prisonnier yon ti groupe moun. Faut que nous fassions camper pour nous construire yon l'autre l'État. Faut que nous prenions engagement pour faire moun kap vin diriger l'État avec préparation, moralité et capacité pour respecter règles jouet démocratie. Qui donc, faut que nous signions yon contrat pour gen mezi ki prend pour dirigeant yon bay citoyen yon rapport sous toute action opposée ak sous utilisation ressources publiques yon. CAF, groupe action francophone pour l'environnement, ensemble avec Alternative Haïti, Mouvement National Citoyen pour Climat, invitez tous citoyens et citoyennes engagés dans la bataille pour faire tout le monde qui veut diriger le pays, depuis Kazek, magistrat, arriver dans le plus gros poste de responsabilité, signer un contrat pour transition écologique et sociale avant de jouer un bulletin de vote dans quelle soit élection sérieuse qu'a fait dans le pays. Changer le système, nan, pas dérégler le climat.
Nan moman kriz ak moman la troubla y sa peyi d'Haïti ap viv la, malfekte ap profite fè swadizan informasyon si ki le pou ka mette l'espri ou an bou la tcha, ba ou stres, fè ou pe pou yo ka manipile ou. Citoyen, citoyen, se pou rete veyatif, veye fò nouvel, veye dezinformasyon, mache sou pinga ou. Nou bezwen informasyon verifiye pou nou konstruy demokrasi. Medya, jounalist, sitwayen, an kanpe goumen kont dezinformasyon. Se yon misaj proje konbit pou bonjan demokrasi ak sipo Organizasyon Internasyonal Francophonie ak Union Européenne. Mesaj sa pa angaje ni Union Européenne ni Organizasyon Internasyonal Francophonie. Me zanmi Dokter George, apam tan de se kolera ki touye piye wo, te kwa mte tan de maladi sa a te pase? Pase, Madame Jean. Non mache, apre kolera te fin disparet panan yon bon boutan, li retoune a fe dega anko. Me koman pou nou bare kolera, Dokter George? Sa fasil. Depou servi ak glo trete pou ou bo epi manje, lave men ak glo ak savon, si tou le ou sot nan toalet ak avan ou manje, kolera pa bjwen ou wout pou rentre sou. La bare, bien bare. Ebyen, pa gen problem. Nou tout kon bagay sa yo deja. Konel se yon, men eske nou fe yo? Bon, nou fe sa nou kapab. Se pa fe sa nou kapab, non? Yon sel grin fwa kont pou kolera rentre sou. Konel se yon, men se pou nou pran prekosyon toutan. Soje, kolera reparet, se nou tout ki pou baril. Se te yon mesaj, MSPP ak Patnel yo. Haïtiens, haïtiennes, n'oubliez pas aujourd'hui de faire le geste patriotique de payer vos impôts et vos taxes. Notre avenir de peuple libre et indépendant en dépend. Le territoire nous rassemble, le drapeau nous unit, le développement du pays passera par le paiement de nos impôts. Solidarisons-nous par l'impôt pour une autre Haïti. C'était un message de la Direction générale des impôts, DGI. Yo bo, te kon di msi dam sa gen jem vi si dan asel, bon, koman l fè an fòm kon sa amin? Tou ka bo, lè mò zan fòm vwe, ba prive non papa, pou kon se pa ka pon. Mouche. Bon, ki sa wap di la? Ou pa informe? Ou moun ki gen vi si da, se tan konen pot maladi konen kwi, tan kou, maladi ke, psik, tansyon, epi tou, lepi moun nan piye pren medikaman, lap mene vi familial, ale l'ekol ak travay normalman, oui? Krete, Regine, kon fè kon tout bagay sa yo? Mou amè dokte, oui? Krete, mou gen le bliye. Epi, mou informe an pil sou sije ya. Yon moun ki gen jem sida, ki toujou biye pren medikaman ARV san kampe. Apre 6 mwa sou tretman, li bab ka bay yon lot moun sida nan fè seks. Se te kou viris la te disparet nan san. Oh, disparet nan san menm, sa vle di, li pa genyen lanko? Li toujou genyen. Men, grasa ak medikaman ARV yo, kantite viris ki nan san levin telman piti, tes ak examen laboratoa pa memri ve detektil. Men, fok li toujou pre medikaman ARV chak jou, epi alwe fe tes la chak un an. Informasyon se gwo koze. Pou mwen depi moun nan gen sida, la vil fini. Problem manke informasyon sa fè nou fè an pil diskriminasyon vreman. Informe dan de ti moun. Yon ti kras VIH 900 egal 0 transmisyon. Se yon mesaj, Ministè Santé Publique PNLS, grâs ak Sipo Teknik Institut Panos, epi financeman pep Amerike atrave PEPFAR ak USAID. Altersport, aktualite sport nasyonal ak internasyonal sou Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Aktualite sportif la Boukounia sou plan internasyonal, Oscar Viegas, li nomè vendredi, nouvo seleksyonèr de l'équipe de la Bolivie apre l'éviction du Brésilien Antonio Carlos Zago au lendemain de la finale de la Copa América. Bolivien yo te fini dernier groupe CA avec 3 défaites en autant de matchs. Son successeur, Oscar Viegas, lui, âgé de 54 ans, était entraîneur des clubs boliviens de Bolivar et Always Ready.
libre à traîner ses nouvelles fonctions à l'occasion des deux prochains matchs de qualification dans la zone sud pour le Mondial 2026 contre le Venezuela le 5 septembre à La Paz, puis contre le Chili le 10 septembre à Santiago. Le calendrier de la 7e et prochaine journée, il va le faire le 5 septembre prochain. Il va Bolivie justement qui a recevoir Venezuela. Chili a déplacé pour aller rencontrer l'Argentine. Attention, Uruguay a accueilli le Paraguay. Pérou a recevoir la Colombie. Et puis Brésil doit recevoir l'équipe Équateur. Là. Classement après cette journée. Premier, c'est l'Argentine, 15 points. Deuxième, Uruguay, 13 points. Troisième, Colombie, 12 points. Quatrième, Venezuela, 9 points. Cinquième, Équateur, 8 points. Sixième, Brésil, 7 points. Septième, Paraguay, 5 points. Huitième, Chili, 5 points. Neuvième, Bolivie, 3 points. Dixième, Pérou, 2 points. À l'issue des éliminatoires, c'est 6 premiers hauts qui vont qualifier directement pour la Coupe du Monde. Septième, nombre à jouer. Le barrage intercontinentaux. Et puis en Amérique du Nord, Inter Miami, il impose les 2-1 samedi à Fort Lauderdale contre Chicago Fire, toujours sans Lionel Messi blessé, et conforte sa place de leader de la conférence S et de la Major Soccer League. Le milieu paraguayen Matias Rojas a d'abord bat l'avantage à Floridien très tôt, en 6e minute, avant que l'Espagnol Jordi Alba ait augmenté le score là à la 75e minute après l'égalisation du défenseur Rafael Siscos. 73e minute pour Chicago Fire, avec nouvelle victoire, ça, Inter Miami affiché un bilan de 16 succès, 4 défaites et 5 nuls, pour un total de 53 points qui placent en tête de la conférence S de la MLS. Dernière ligne droite, Journal d'Espoir, dans mes auditeurs cyclisme, Tadej Pogacar, il a remporté dimanche son 3e Tour de France, son nouvelle victoire d'étape, sa 6e dans cette 111e édition, lors du contre-la-montre final entre Monaco et Nice, déjà vainqueur en 2020 et 2021, Slovène, qui devançait le Danois Jonas Vingegaard dans le chrono, est venu le premier coureur qui réalisait le doublé Tour d'Italie, Tour de France, même année depuis l'Italien Marco Pantani. Tennis, l'Espagnol Rafael Nadal, 261e mondial, il bat dimanche, alors il est tombé, et dimanche en finale du tournoi de Bastad en Suède, et c'est Portugais Nuno Borges qui bat le 51e mondial en 2-7, 6-3, 6-2 en moins d'une heure et demie. Ancien numéro mondial va participer au tournoi de tennis des JO de Paris qui va le fête 26 juillet au 11 août, qui donc défaite de Rafael Nadal en finale du côté de Bastad. À Hambourg, c'est le Français Arthur Fils qui remporte le trophée. Il bat en finale l'Allemand Alexander Zverev en 3 matchs, 6-3, 3-6, 7-6. À 11 semaines des JO de Paris, le Français lui fait entrer dans le top 20 et il conclut de la meilleure des manières sa préparation pour les JO. Puis le Français Quentin Alice, 192e mondial, qui a disputé sa première finale sur le circuit ATP, n'a rien pu faire face à l'Italien Matteo Berrettini, 42e mondial, dimanche au tournoi de G-Stade, en 2 matchs, 6-3. 6-1 Berrettini, ancien numéro 6 mondial, remporté quant à lui-même son 2e tournoi lead à AG Stade après l'édition 2018 et son 9e titre depuis ses débuts professionnels. Basketball pour nous finir, le Soudan du Sud est passé tout proche d'un exploit contre les quadruples tenants du titre américain en préparation des JO Paris 2024 samedi à Londres, 101-100. Les coéquipiers de Vinyen Gabriel ils ont mené au score à 9 secondes de la fin du match avant que LeBron James ne marque le lay-up de la victoire. 23 points, 6 rebonds et 6 passes décisives pour offrir un succès à l'arraché à Team USA. Après un début de match historique et 58 points à la pause, 50% de réussite à 3 points en première période, les Bright Stars ont gagné 14 points d'avance avant le début du 3e quart-temps. Mais sous l'impulsion du vétéran de la sélection américaine en quête d'un 17e titre olympique à Paris, les Américains ont recollé pour refaire leur retard avec un cinglant 18-0 entre le 3e quart et le 4e quart-temps. Pourtant, les Sud-Soudanais n'ont pas baissé les bras en restant en contact avant de reprendre l'avantage à 20 secondes du buzzer final. Son tir primé de JT Thor. Mais la dernière et possession de la sélection africaine n'a pas trouvé l'arceau américain après un flotteur raté.
de Khalid Jones et une belle défense d'Anthony Edwards. Les deux équipes, ils vont retrouver le mercredi 31 juillet dans le groupe C du tournoi olympique des JO de Paris 2024. Bon, revanche, qui promettent un bel spectacle devant le public de la Decathlon Arena à Villeneuve-d'Ascq. Le Soudan du Sud va disputer ses premiers Jeux olympiques alors que la sélection y existait depuis 2011. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti à 6h30 nan aswè, li passe tout à 10h30 aswè, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, et puis midi et demi. Alter Sport, toutes nouvelles sous tout sport, sous Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Avant nous aller grand titre qui te domine l'actualité sportive sur le plan national, l'écologie funéraire nationale samedi dernier à l'église Saint-Pierre-Pétionville pour l'ex-international haïtien Serge Ducoste qui quitte nous à l'âge de 80 ans, sport et assistant vers les Jeux Paris 2024 et les Jeux Paralympiques Paris 2024. Le gouvernement va une subvention 10 millions de gouttes à la Comité Olympique haïtien, 6 millions de gouttes à la Comité National Paralympique. Là. Football, la première sélection féminine là, depuis 7 mois, Frédéric Gonzalves, avec l'équipe féminine 2e division olympique Marseille. À l'étranger, tennis, tournoi de Bastade, de Hambourg et de Gestade. Le trophée pour Nuno Gomes, Artufis et Matteo Berrettini. Cyclisme en souverain, Tadej Pogacar a remporté 111e édition Tour de France. Basketball, le match préparation pour JO Paris 2024. États-Unis battent Soudan du Sud très difficilement sur le fil 101-100. Football, Oscar Viegas, ses nouveaux sélectionneurs à la Bolivie. En passe brésilien, Antonio Carlos Zago. MLS, sans Lionel Messi, Inter Miami bat Chicago Fire. 2-1 samedi soir pour les prendre tête classement conférence Est. C'est sur notre ça que nous mettons en bout en espoir dans mes auditeurs. Merci en PL pour fidélité. Merci à collaborateur nous et Michel Pierre qui était dans la réalisation. On a mis quoi cette semaine Griffon. Bonne suite de programme sur Alteradio 106.1 à alteradio.org. Édition Journal ça n'a bien mis un podcast Alteradio sur Mixcloud, sur Zeno Radio, sur Tuning, sur Apple, sur Spotify et Google Podcast. Tous les jours, toutes nouvelles sous toutes sports. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio, l'idée frais, nos affaires radio. Haïti chéri, plus bel pays passé ou n'importe.
Alter Radio, en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur internet alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio au téléphone aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press, depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio, depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio, pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Les informations sur Alter Radio. Alter Radio. Alter Actualité. Le groupe de levée de fonds démocrate a annoncé dimanche soir avoir enregistré sa plus grosse collecte en une seule journée pour la présidentielle américaine de 2024 après que le président Joe Biden s'est retiré et a soutenu la vice-présidente Kamala Harris. À 21h, les sympathisants de base avaient collecté $46,700,000 via ActBlue suite au lancement de la candidature de la vice-présidente Kamala Harris. Il s'agit de la plus grande journée de collecte de fonds du cycle 2024, indique sur le réseau social X, le groupe qui facilite la collecte de fonds en ligne pour les candidats démocrates. Le comité des règles et des statuts de la Convention démocrate a annoncé qu'il se réunira mercredi 24 juillet à 14h pour fixer la date et la manière dont sera choisi son prochain candidat à la présidence, annonce le New York Times. Dans les prochains jours, le parti va entreprendre un processus transparent et discipliné pour aller de l'avant en tant que parti démocrate uni avec un candidat qui peut battre Donald Trump en novembre, écrit dans un communiqué Jaime Harrison, le patron du parti. Joe Biden était censé être intronisé lors de la convention de son parti mi-août à Chicago. Sa vice-présidente Kamala Harris est un choix naturel, mais pas automatique, pour devenir la candidate des démocrates. Le dernier mot revient aux délégués du Parti démocrate, 3900 personnes au profil très varié et pour la plupart complètement inconnues du grand public. Autre information, le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kuleba, a annoncé se rendre du 23 au 25 juillet en Chine, allié de la Russie, pour des discussions sur les moyens de mettre fin à la guerre entre Kiev et Moscou. Le principal sujet de discussion va être la recherche de moyens pour stopper l'agression russe et le rôle de la Chine sur la manière d'arriver à une paix durable et juste, a indiqué le ministère ukrainien des Affaires étrangères dans un communiqué. Plus de 500 personnes, dont des dirigeants de l'opposition, ont été arrêtées au Bangladesh, où le mouvement étudiant à l'origine de manifestations réprimées qui ont fait 163 morts a annoncé lundi la suspension sous condition des protestations.
Nous suspendons les manifestations pour 48 heures, a déclaré Nahid Islam, chef de file du principal mouvement organisateur des manifestations Students Against Discrimination, demandant au gouvernement de lever le couvre-feu pendant cette période, de rétablir l'accès à Internet et de cesser de s'en prendre aux manifestants étudiants. Des manifestations contre les quotas pour le recrutement dans la fonction publique, vues comme favorisant les proches du parti au pouvoir, ont dégénéré en la pire vague de violence depuis que la première ministre Sheikh Hasina est arrivée au pouvoir il y a 15 ans. Au moins 532 personnes ont été arrêtées à la suite de violences, a déclaré le porte-parole de la police de Dakar, Faouk Hossein. Parmi